Satsuki Fujimoto, il s'est dit, ok, là il y a un gars, quelque part dans le monde, il va kiffer à 100% chaque case, et c'est exactement ce qui s'est passé. Allons chercher l'attaque des titans. Finalement, quand on me dit, alors t'es plutôt One Piece ou Naruto, je dis Dragon Ball. Imagine, t'es coaché par Toriyama, c'est incroyable, tu vois, ça aujourd'hui ça a une valeur inestimable. C'était cool, on a bien rigolé, c'est terminé maintenant, ok? C'est terminé! Bonjour, c'est Cyprien, et on va parler de mes mangas préférés. On va commencer par les lectures un peu plus récentes, des grosses claques pour moi récemment. Le bateau de Thésée, de Toshiya Higashimoto. C'est un thriller, un personnage un petit peu torturé parce qu'il a une histoire sombre avec son daron. Il y a un truc très bizarre et glauque autour de lui. C'est une des rares fois où vraiment... Enfin, je suis toujours très happé par plein de mangas, mais là, pour le coup, c'est impossible d'arriver à la dernière page et de se dire « Ok, je m'arrête au tome 1 ou au tome 2 ». Enfin, t'es obligé de lire la suite. Tellement tu veux savoir. Donc c'est vraiment, vraiment bluffant. C'est beau, mais c'est hyper dur. Il y a des trucs de base de meurtres, de trucs sales. Tous les mots qui démonétisent une vidéo YouTube, finalement, tu vois. Des meurtres, des viols, des enfants qui disparaissent. Bref, la totale. Mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Grosse révélation, le bateau de Thésée. J'en parle à tous mes potes. Et mes potes qui lisent, ils disent « Mais c'est incroyable !» tu vois. Donc voilà. Si vous faites partie de mes amis, voilà. Vous devez lire ça. Tu connaissais l'auteur auparavant ou pas du tout? Non, mais je crois que c'est un de ses premiers mangas. Et il a fait ensuite un autre manga qui s'appelle « Serment d'Hippocrate », je crois, qui parle d'un médecin pédiatre, donc je pense qu'il a une sorte d'obsession pour les enfants, qui soit meurt, soit malade. Et c'est un registre très très différent, où c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus léger, c'est genre vraiment un médecin qui, je crois, peut reprendre potentiellement un peu la clinique de son daron, je sais pas quoi, mais le gars, il est trop bizarre, quoi. C'est une sorte de mauvais youtubeur. C'est-à-dire qu'il fait des vidéos, mais genre, il n'y a personne qui la regarde, tu vois. C'est trop bizarre comme setup de médecin, je trouve. Tu continues à lire beaucoup de mangas? Ouais, j'en lis à peu près tout le temps, mais c'est juste en quantité, j'en lis moins. Et surtout, j'essaie de trouver des séries un peu plus courtes, parce que j'aime bien arriver au bout des choses, tout simplement. Je trouve, en fait, que le propos est hyper important. Et donc, du coup, quand c'est juste des sagas, tu vois, où c'est genre, tu suis juste des personnages, ben, y a moins de propos, c'est juste t'es content de les retrouver, etc. Dans tous les mangas que je kiffe, souvent, c'est genre, ça parle de ça, l'évolution des personnages, elle est dans ce sens-là, et du coup, je trouve que c'est plus clair, c'est plus limpide, tu vois. Ça, c'est énorme révélation également. Donc, Ping Pong de Taiyo Matsumoto, ça parle de tennis, non, c'est pas... Pour moi, Taiyo Matsumoto, c'est l'auteur qui fait les planches et les découpages les plus incroyables. Tu sais, t'as l'impression que c'est du cinéma, mais du grand cinéma, tu vois. Il y a une page où t'es à la place de la balle. T'es vraiment point de vue de la balle. Et du coup, t'as un découpage où tu vois genre vraiment un plan large qui commence à se décadrer, qui fonce vers la table. Et d'un coup, ça remonte, tu vois la raquette. Et après, tu vois les picots de la raquette, tu sais, le revers avec tous les petits détails. Et vraiment, quand tu lis ça, tu te dis, mais t'as l'impression d'entendre le bruit du « ça !» Tu vois, c'est exceptionnel. Vous voulez aussi devenir une balle de ping-pong en lisant ping-pong. Bah, Amber Béton, c'est pareil, c'est incroyable. Donc, c'est aussi deux jeunes et qui sont dans une ville. Pour moi, c'est un peu le Akira de Taiyo Matsumoto. Ouais. Tu sais, genre vraiment, ça dépasse un petit peu juste les personnages. Il y a aussi la ville, il y a tout ce qui s'y passe, tu vois. Il y a un peu un univers. Pour le coup, c'est hyper violent. Je sais pas pourquoi c'est des enfants dans Amber Béton. Parce qu'ils se comportent comme des yakuza, et des, tu vois. Ils butent des gens. Enfin, tu dis, pourquoi c'est des enfants finalement? Non, mais vraiment, c'est un de mes auteurs préférés finalement. Ça reste dans l'esprit aussi de ce que tu dis, c'est des œuvres assez courtes, même en Amber Béton. Ouais, Taiyo Matsumoto n'a jamais fait des œuvres très très longues. Je pense qu'il ne fait pas partie des mangaka qui ont, tu sais, des grands studios et qui font effectivement... Lui, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il est presque plus populaire en France qu'au Japon. Il a une dimension un peu plus d'auteur, tu vois. Et pourtant, il traite quand même ses œuvres avec des dimensions grandioses. Enfin, Ping Pong, c'est... Enfin, quand tu regardes les matchs, pourtant, c'est des ados, tu vois. Et tu sais, c'est même pas des finales de je sais pas quoi, tu vois. On n'est pas dans Blue Lock ou dans que sais-je, quoi. Là, c'est vraiment un truc de lycée. Et pourtant, ils le traitent comme si c'était le truc le plus important. Enfin, ce qui est le cas, en fait. C'est le moment le plus important de leur vie. Et tu le ressens. Et ça, c'est vraiment dingue. Non, mais tout de Taiyo Matsumoto, vous pouvez prendre n'importe quoi. C'est formidable, quoi. Ah bah tiens, ça, c'est un des derniers trucs que je suis en train de lire en ce moment, finalement. On pourrait croire que c'est un manga pour enfants. Aujourd'hui, j'ai encore le doute. Je suis pas sûr, en fait. Je sais pas. C'est une histoire assez simple d'un petit enfant qui devient un roi de son royaume. Et l'enfant est muet et il est un peu simplé, il a un peu du mal à gérer ses émotions, etc. Ce qui, moi, m'a beaucoup marqué dans Ranking of Kings, c'est que le style graphique est un petit peu, étonnant, parce que c'est assez simple, finalement. Mais surtout, après 5 tomes, tu sais jamais si tous les personnages qui sont autour, ils sont gentils ou méchants. C'est impossible à savoir. C'est la première fois où je lis un truc
Et toutes les 10 pages, tu fais, ah, lui, c'est le grand méchant. Et après, tu fais, mais non, c'est son plus grand allié, tu vois. Et en fait, sur tous les personnages. Là, pour le coup, tu as choisi 3 mangas assez modernes qui traitent de l'enfance. Il y a une thématique que j'adore qui est le est-ce que tu, comment dire, est-ce que tu grandis avec les convictions que tu avais quand tu étais enfant, tu vois ce que je veux dire, genre il y a un truc un peu shonen, tu sais, de genre quand t'es gamin, je veux être le plus grand des pirates, est-ce qu'il va devenir le plus grand des pirates, tu vois. Et j'aime bien la subtilité qui est que bah ouais, mais en fait quand tu grandis, il y a en fait la vie te se présente à toi, et en fait t'as d'autres perspectives, et du coup tu te demandes, même moi encore aujourd'hui à 33 ans, je me dis est-ce que j'essaye d'être la version la plus ultime que je voulais quand j'étais gamin, ou est-ce que je suis une nouvelle version. La réponse est un mélange des deux, bien évidemment. Ça me parle beaucoup, j'ai fait presque tous mes courts-métrages, ils ont un peu ce truc-là. Fais un vœu, par exemple, où tu suis un personnage au fil de ses anniversaires et tu vois ses rêves, tu vois, qui sont là. Et donc, forcément, quand t'es gamin, t'as des rêves de devenir astronaute, etc. Et puis, plus ça passe, et bah, astronaute disparaît, il devient devenir propriétaire. Enfin, tes rêves changent un peu, tu vois. Bah, justement, il y a une de mes grosses claques que je vois juste derrière, là, qui est vraiment 100% dans mes thématiques. Et que je pourrais lire à l'infini. Tu m'y rends ? Vas-y. Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, et de. Il a fait une autre. Bon, ça parle de lycéennes qui adorent dessiner du manga, une qui adore dessiner des personnages, de l'action, etc. L'autre qui adore dessiner des décors. Tous les opposent. Celle qui dessine des décors est très. On la voit à peine, etc. Ça ressemble énormément au scénario de Minori, mon court-métrage que j'ai fait en 2019 au Japon. Et donc c'est la rencontre un petit peu des deux. Il y avait un petit twist fantastique que vous découvrirez. Mais vraiment, ça, c'est j'ai l'impression que ça a été dessiné pour moi, quoi, tu vois. C'est vraiment, Tatsuki Fujimoto, il s'est dit, ok, là, il y a un gars, quelque part dans le monde, il va kiffer à 100% chaque case, et c'est exactement ce qui s'est passé. Même le découpage, etc., il y a des moments de fulgurance où vraiment, tu ouvres ça, et c'est vraiment trop, trop bien. C'est toutes les thématiques que je kiffe, c'est-à-dire, comment tu fais ta carrière, est-ce que tu essayes d'être, fidèle à, tu vois, l'enfant et les rêves que tu avais, ou est-ce que tu, et comment tu arrives à tes rêves, est-ce que vraiment c'est ça tes rêves quand tu deviens adulte. Ça parle quand même d'une rencontre, et je reste assez persuadé que moi, si je fais ce métier-là, c'est aussi pour des rencontres. Justement, sur Minori, donc le court-métrage qu'on a fait au Japon en 2019 avec François Descraques, je lui avais dit, on pourrait perdre les rushs. Je m'en fous parce qu'en fait, on a passé un moment de ouf, tu vois. Et parce que je trouve que c'est ça aussi, tu vois, c'est connecté avec des gens qui ont un peu les mêmes passions que toi, et puis c'est des gens qui vont, tu vois, rester des amis et tout. Et là, ça part aussi d'une rencontre, donc ça j'adore ça, tu vois. C'est ce truc de genre, une passion qui est assez solitaire, être devant ta planche, et pourtant, chclar, tu vois, tu crées une sorte d'armée de gens passionnés sur qui tu peux compter, donc... Pokémon. The Promised Neverland. Pareil, en graphisme, c'est hyper singulier. Tu vois pas ce style assez régulièrement C'est vraiment des dessins très beaux. Des orphelins qui sont dans un orphelinat un peu bizarre, et puis ils se rendent compte qu'en fait tout est une sorte de grande machination, et ils ont peur pour leur vie. Je pense que tout le monde a été un peu déçu de la fin, ou en tout cas de comment ça évolue. Le début est hyper catchy, il y a un côté un peu Death Note, tu sais, où vraiment ils essayent de trouver des indices pour essayer de se sortir de là, et puis à la fin, dès qu'on te montre ça, c'est le grand problème, dès qu'on t'en dit trop, tu te dis oh. D'ailleurs, à ce propos, justement, sur les. Il est où l'attaque des titans? Il est à A, j'imagine? Il est là-bas, ouais. Ah, ok. Faut qu'on aille le chercher. Allez, allons chercher l'attaque des titans. Ça, c'est quand même c'est devenu un monument du manga dans le monde. Au Japon, c'est énorme. Shingeki no Kyojin, SNK, comme ils disent. Ce qui est dingue avec l'attaque des titans, c'est qu'ils ont réussi ce que Lost n'a pas réussi. C'est-à-dire, il te crée une sorte d'énorme mystère. Et du coup, tu te demandes, mais pourquoi? Et au fil des tomes, un peu comme dans Lost, il rajoute, pour expliquer un mystère, il t'en rajoute un autre, tu sais. Ouais. Et tu fais, ça fait beaucoup, là, non? Tu vois, c'est là où, à la fin de Lost, t'es en mode, ah ouais, non, ça me plaît pas, ça satisfait personne. Et l'attaque des titans est peut-être la seule œuvre où vraiment, il a mis tellement de mystères, mais pourtant, il a réussi à expliquer tout ça et à rendre ça hyper intéressant, peut-être même plus que le moment où c'était mystérieux. Donc c'est vraiment une prouesse incroyable, je trouve. Tu sais, des mangas comme ça, je trouve que t'en as un tous les 10 ans, quoi. Tu vois, ouais. Un truc vraiment marquant dans son scénario et la singularité et tout. C'est fou. C'est normal hein, que ça explose. C'est totalement mérité, quoi. Vraiment. Oh, putain, tu sais, de revoir les vieilles éditions de Dragon Ball. Donc bien évidemment, je dirais que mon manga préféré quand j'étais gamin, mais jusqu'à encore très tard, avant que je découvre Urasawa et tout ça, c'était bien évidemment Dragon Ball. Et là, on est sur les éditions des années
90, hein, qu'on appelle les mangas, les pastels, c'est ça ? Qui sont en sens de lecture française, donc toutes les images sont floppées, tu vois. Spontanément, je dirais plus vers Dragon Ball que Dragon Ball Z. C'est plus drôle, et c'est beaucoup plus tendre aussi, tu vois. Il y a un truc où, forcément, comme les enjeux, ils sont moins intergalactiques, du coup, je trouve que c'était un peu plus proche des personnages, quoi. T'avais un arc préféré dans cette partie du début de Dragon Ball ? Ah ouais, quand ils arrivent dans la neige et la tour du ruban rouge, je sais pas comment ça s'appelle, j'imagine que ça s'appelle comme ça. Où vraiment à chaque étage, c'est blague sur blague sur blague sur blague, quoi, tu vois, j'aime trop, quoi. Il y a un étage où vraiment il faut affronter un ninja, et c'est le pire ninja du monde. Et du coup, genre à un moment, il va se cacher, et il a une sorte de drap imprimé écorce d'arbre, tu vois, et il se met devant un arbre. Sauf qu'en fait, c'est réversible, d'un côté, il y a un drapeau américain ou je sais pas quoi, et bien sûr, il se trompe, tu vois, il est comme ça. Où il va se cacher dans l'eau, il a une sorte de petit tuba, et du coup, t'as Son Goku qui arrive et qui prend de l'eau chaude et qui lui verse dans le truc. Enfin, tu vois. Akira Toriyama, qui est pour moi, je pense, un des plus grands auteurs de manga au monde, il est fort pour faire des personnages qui ont beaucoup de défauts. Et tu les adores pour ça, tu vois. Ils sont tous radins, pervers, souvent la somme de tout ça, tu vois. Sauf Son Goku qui est juste teubé, tu vois, et il le dit, hein. Il est setup au début, il n'arrive même pas à faire la différence entre un homme et une femme, tu vois. Et il fait pampan comme ça, il touche, il fait « Ah, il n'y a rien, c'est une femme alors, tu vois ». Il faut savoir que Dragon Ball, ce qui a vraiment happé les gens au Japon, c'était les tournois, quoi. Tu vois, genre, l'œuvre était culte, et dès que ça redescendait un peu en intérêt pour les lecteurs, ils ont fait des tournois. C'est pour ça que pour Cell, il y a des tournois pour aucune raison. Ils sont là, ils font « Ouais, bah, dans ce cas-là, on va faire un petit ring, on va faire un tournoi ». Tu lis ça, tu fais « Pourquoi ils font ça, tu vois ?» Et bah, vous avez l'explication, c'est parce qu'il fallait regagner l'intérêt des lecteurs. Dans Boo, c'est pareil, l'arc Boo, donc le dernier arc de Dragon Ball Z, que moi j'aime beaucoup. Après Cell, Toriyama, il voulait plus faire de... Il s'est dit, c'est bon, on arrête. Spoil. Dragon Ball Super, GT, etc. Il y en a eu beaucoup de suites, quoi. Mais, et du coup, il a dit, si je fais une suite, je refais à ma sauce. Tu sais, on arrête le truc hyper sérieux, bidule, etc. Et c'est pour ça que ça commence en mode... Son Gohan, il est, tu sais, c'est une sorte de super-héros dans sa ville, tu sais, il y a un truc vraiment un peu trop bizarre, tu vois, et c'est beaucoup plus drôle. Alors bien sûr, il fallait quand même créer un méchant et tout, donc il crée un arc, tu vois, autour de Boo et tout, mais si tu regardes bien, même Boo est un personnage très drôle, il fait, tu vois, il fait des conneries, Satan est exceptionnel, c'est un très très bon personnage. Et ça, c'est con, mais là, il a pas pu le faire dans les arcs avec Raditz, Freezer, tu vois. Il y a un truc un peu génial aussi dans son graphisme et tout, parce qu'il fait des personnages très, au début très ronds, puis ensuite très, très cubiques, etc., la castagne, et en fait, il c'est un fan de maquettes, et ça se voit dès la première case dès les premières cases de Dragon Ball. Il adore dessiner des engins. La moto qui ressemble un peu à celle de Akira, mais version avec une sorte de petit pare-brise tout en long et tout. Tous ces engins sont assez cultes en fait. Quand tu passes les pages, tu fais putain, c'est vraiment stylé quoi. C'était son plaisir premier en fait au début, dessiner plutôt des engins, des voitures, des machines et tout, tu vois. Donc je trouve qu'il y a un truc, tu sens la passion en fait, tu vois, il met sa passion là-dedans et tout. J'adore trop. Dragon Ball, franchement, là pour le coup, c'est le manga que j'ai lu le plus, quoi. Ouais. Je terminais la fin et presque je reprenais le début et tout. Je connais moins bien les animés, j'ai pas regardé GT, j'ai pas regardé Super, j'ai pas lu Super. Mais je trouve que on a déjà un truc, une œuvre qui est exceptionnelle. Ouais. Puis là, d'avoir, tu sais, des tomes à l'ancienne, quoi. Et les éditions, les nouvelles, là, les perfects sont très très belles. Hein. Ouais. C'est vraiment incroyable. Avec les pages couleurs, les premières pages couleurs que tu vois en France et tout, donc c'est très cool, quoi. Voilà, donc finalement, quand on me dit « alors t'es plutôt One Piece ou Naruto », je dis « Dragon Ball ». Il a fait pas mal d'histoires courtes aussi, que j'adore vraiment. Kowa, il y a Kajika et il y a Sandland, et Jaco aussi, Jaco est exceptionnel. C'est des histoires courtes d'un seul tome et que je trouve vraiment, vraiment bien. Cette chose est peut-être le manga qui m'a le plus inspiré artistiquement. J'ai toujours adoré dessiner, donc là, je voyais, si tu veux, le combo, il était ultime, Akira Toriyama, qui te dit comment dessiner des mangas. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui font les mangas. Tu sais, quand t'es gamin, tu le lis, tu kiffes, point, tu vois. Tu te doutes pas que c'est comment c'est fait. Et là, il y a des gens qui te donnent des techniques sur... même, en fait, il parlait de certains types de papier, des trucs que tu trouvais pas en France. Je me dis, mais en fait, c'est même pas fait en France. En fait, je commençais à connecter, tu vois. J'avais une dizaine d'années, je fais, mais attends, c'est quoi ce bordel, tu vois. Et du coup, t'as Toriyama qui revient sur des planches que des Japonais lui ont envoyé, il te fait un peu des cours, il dit « Ah, t'aurais pu faire ci, pu faire ça, tu vois. » Imagine, t'es coaché par Toriyama, c'est incroyable, tu vois. Ça, aujourd'hui, ça a une valeur inestimable, tu vois. Donc ça a été vraiment, ouais, une grosse révélation. Même, il parle de trames, etc. Ce qui est marrant, c'est que Glénat, ils éditent ça, des trames, c'est introuvable en France. Moi, je m'en rappelle, il parlait de certaines plumes et de certains papiers, et je me suis retrouvé à aller dans plusieurs papeteries avec mes parents. Et mes parents, ils étaient là en mode « Mais de quoi il parle, tu vois ?»
Et moi j'étais là, bonjour, je voudrais du papier Kent et une plume, une G-plume. Et t'avais vraiment les gens de la papeterie qui font, mais de quoi ils parlent, tu vois. Ils croisaient le regard de mes parents qui étaient en mode, je sais pas, écoute, trouve-moi un papier épais et une plume, je sais pas, tu vois. Il y a d'autres auteurs, bah justement, Yusuke Murata, exactement. C'est peut-être le dessinateur de manga le plus fort de la planète qui a décidé de faire ça. Le dessinateur de One Punch Man, donc pas l'auteur d'origine, parce que le manga d'origine, c'est le moins fort finalement qui dessine. One Punch Man a été redessiné par Yusuke Murata et le tueur. C'est le tueur. Et là, en plus de ça, il t'explique un petit peu les rouages de faire des cases, mais aussi de comment dessiner des personnages, du truc. Donc ça, on va dire, c'est la version actuelle de ça, mais ça, c'est Toriyama quand même. Tu vois. On va faire une petite transition sur, justement, on va parler de graphisme un peu. Ok, vas-y. Donc One Punch Man, donc Murata, incroyable, number one. Et il s'avère que je me demande même s'ils n'ont pas bossé ensemble. Takeshi Obata, un de mes mangas préférés, Death Note. Les personnages, son style, la finesse, c'est vraiment exceptionnel. C'est un dessin qui est dingue. En plus de ça, le scénario de Death Note, seulement en 13 tomes. Excellent, merci beaucoup. ça, c'est vraiment formidable. Je l'ai vu aussi en animé. Et je pense que c'est con, mais je trouve que l'animé, c'est presque un genre en soi. Tu vois, c'est ce truc genre, quand tu regardes, tu te dis, t'as l'impression de découvrir un nouveau genre, vraiment de thriller psychologique avec très peu de personnages où ça se passe vraiment, tu sais, avec des tout petits détails et tout. Et c'est aussi la première fois que je me disais, putain, tu sais, tu passes les pages, tu fais, c'est vraiment très très beau. Tu vois, là, on arrive à des niveaux stratosphériques, quoi. On va prendre du Vagabond. Donc, s'il faut parler du très beau, j'ai cru vous voir là-bas. Un peu, là, à l'issue. Takehiko Inoue, donc le dessinateur, l'auteur de Slam Dunk et Real, et aussi Vagabond. Là, c'est pareil, je trouve les dessins les plus dingues de la planète. Ah, quelques cases que je ne peux pas montrer sur YouTube. C'est vraiment du graphisme de dingue, un des meilleurs auteurs de manga. Pas mon préféré. Tout à l'heure, on va parler de mon mangaka préféré, mais quand même, c'est vraiment fou. Il y a des gars, ça se voit qu'ils ont mis toute leur vie et toute leur âme dans le graphisme et dans comment raconter leurs histoires. Que ce soit Slam Dunk, Reel ou Vagabond, chaque série qu'il a fait sont incroyables, vraiment. Donc ça, vraiment, en plus d'être assez dingue, c'est très dur et tout, mais c'est genre magnifique. Et maintenant, je veux vous parler des plus belles double pages. Les plus belles double pages du manga. Dans Vagabond, il y en a. Et dans Berserk. Si je devais retenir Berserk sur un truc, c'est que parfois, tu passes une page, et là, quand tu ouvres les deux, tu fais, putain, mais où est-ce qu'on est, quoi? C'est absolument incroyable. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est plus le graphisme que le propos. Je trouve qu'il y a un truc où je me demandais un peu pourquoi je lisais Berserk. Parce que l'univers, c'est ce truc un peu d'heroic fantasy, très hyper badass, hyper dur et tout. Mais tu sais, les personnages, je n'étais pas tant attaché, mais la patte et le dessin et la mise en page m'a quand même tellement... C'est peut-être plus pour ça que je lisais, en fait. Je voulais voir jusqu'où ça allait, l'univers et comment il le traite graphiquement. Et ouais, dès que tu ouvres, chaque double page est monumentale. C'est fou. Miura, Obata pour l'auteur de Death Note, Inoue pour Vagabond, etc. Pour moi, on atteint les sommets du dessin, quoi, tu vois. Mais là, dans Berserk, c'est absolument dingue. Et j'étais quand même dévasté, hein, quand on a appris le décès de l'auteur et tout. C'est un cas de figure assez rare, tu sais, où t'as une série qui est pas encore terminée. Et du coup, je te rappelle de George R. Martin, où les gens, comme il était un peu malade, les gens étaient en mode « Mais attends, il va pas clamser avant de terminer, quand même, tu sais ?» Les pires gens, quoi, genre, prends tes cachets et termine-nous d'écrire. C'est fou. Et oui, parfois, ouais, effectivement, il y a des œuvres un peu inachevées, même si je crois que ça a été terminé par l'équipe et tout, le studio. Là, tu nous parles beaucoup de dessins et donc des manuels. Au début, tu voulais être dessinateur, en fait. Depuis tout gamin, je dessine. J'ai été inspiré, en plus de ça, par beaucoup de mangas, de mangaka, Akira Toriyama, donc... l'apprenti mangaka, tout ça, je le lisais. Et pour moi, c'était genre, tu sais, une source de motivation infinie. Et j'adorais dessiner, mais c'était toujours pour faire des cases ou des univers, et les personnages, on les retrouve, etc. Et je traînais pas mal avec d'autres gens qui aimaient dessiner. Et eux, c'était juste le fait de faire des trucs beaux, tu vois. Il n'y a pas ce truc de « je vais passer 1000 heures sur, tu vois, sur un dessin ». Moi, j'aime bien juste faire des persos. D'ailleurs, je dessine beaucoup plus des personnages que des environnements. C'est toujours pour, ouais, intégrer un récit à l'intérieur. Donc, en fait,
j'adore le dessin, mais je me demande si en fait ma vraie passion c'est pas plutôt de raconter des histoires, tu vois. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, et après aussi d'autres trucs dérivés de ça, donc la série audio, série animée, un long métrage, etc. Et en fait je me rends compte que la passion est toujours la même, parce que c'est ouais, raconter un récit, développer des personnages. Après je dessine encore toujours aujourd'hui, mais c'est vraiment récréatif, quoi, tu vois, c'est genre... Des storyboards, tu fais des storyboards? Je storyboard, mais c'est... storyboard, c'est simple, tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour... Mais ouais, sur le long métrage là que je suis en train de faire, comme il y a une histoire d'effets spéciaux, etc. Bref. Et du coup, avec le studio, je leur ai storyboardé des, tu vois, presque des séquences entières, etc. pour qu'ils puissent un peu évaluer le truc. Donc, c'est peut-être le seul truc qui m'aide. Tous mes potes réalisateurs, ils font des plans au sol, ça s'appelle. Donc, c'est qu'ils, sur des petits logiciels, ils mettent les, tu sais, ils prennent des plans du lieu et ils mettent les personnages et les caméras. Mais c'est point de vue du dessus pour que les gens comprennent, quoi. Et moi je déteste ça parce qu'il y a un truc trop technique et triste. Je préfère faire vraiment un storyboard où je dis regardez, il y a l'amorce, le truc, on voit ça dans le fond et tout. Et ce qui fait que le dessin, c'est beaucoup plus simple. Et quand j'étais gamin, je m'étais dit putain, il faut absolument que je fasse une BD. Enfin, tu vois, je voulais vraiment le faire. Ouais. Finalement, j'ai fait Roger et ses humains, mais que au scénario. Ce qui est vraiment très bien aussi parce que c'est très très long de dessiner. je trouve que c'est ma petite zone de confort, très bien. Voilà, juste écrire les personnages. Mais quand j'étais gamin, je m'étais vraiment dit putain, il faut vraiment que je dessine. Une BD, voire un manga, et le rêve n'a pas totalement disparu, mais c'est vrai que le dessin, c'est trop, trop exigeant, très long et tout. Donc, quand tu vois des pages comme ça, tu te dis « ouais, non, mais en fait, j'y arriverai jamais, quoi, je suis une grosse merde ». Il y a des auteurs comme ça qui te mettent plus bactère, quoi. Tu te dis « ah, j'aimerais bien raconter l'histoire ». Eh ben non, finalement, pas du tout, je suis juste un lecteur. Je regarde un petit peu là, ce qu'il y a de... Pff, mais non, mais il y a tellement de trucs incroyables ici. Hein. Ah bah tiens, GTO. On parle de GTO ? Toru Fujisawa, Great Teacher Onizuka. En lisant ça, je me suis dit, mais en fait, au-delà des mangaka qu'il y a derrière, c'est même des japonais, tu vois. Ça parle du Japon. Forcément, il y a des histoires de Yakuza, de Bosozoku, des frotteurs dans le métro. Enfin, tu sais, ça parle de la société, un peu le truc que t'as pas spécialement envie de montrer, quoi. Et au final, j'ai appris énormément sur le Japon avec ça, tu vois. Bon, le pitch de la série, c'est un ancien... Bon, c'est une racaille, quoi, tout simplement, qui aimerait bien fréquenter des étudiantes. Et du coup, il se dit « Ah putain, je vais être prof pour les étudiants ». Il prend quelqu'un qui va faire un peu le concours à sa place, il lui met une perruque, etc. Il dit comme ça « Paf, je deviens prof et je croise des étudiants toute la journée ». Manque de bol, ça marche, mais il se retrouve dans un collège. Donc, il est dégoûté. Et au final, ce qui est génial, c'est qu'il se retrouve avec des classes à problème. Donc, on lui met des classes à problème. Et en fait, la directrice se dit « Peut-être qu'avec un personnage non conventionnel, il peut résoudre des problèmes non conventionnels ». Donc, du coup, il se retrouve avec des gamins qui ont des embrouilles de parents qui les ont abandonnés, je sais pas quoi, bidule. Et en fait, il va ensuite rencontrer ses élèves après pour essayer de comprendre un petit peu. En fait, les problèmes lui tombent sur la gueule et il arrive à les résoudre de manière non conventionnelle. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est vraiment formidable. Avec quand même une motivation première qui était de juste lui pécho des meufs, quoi, tu vois. Mais comme elles sont trop jeunes, ils se retrouvent avec d'autres embrouilles. Et en fait, ça décrit tellement la société japonaise, par exemple. À un moment, il se dit, putain, ils font un resto de ouf et ils mangent du thon. Et ils font, putain, incroyable ce thon. Ça ressemble à de la viande, c'est exceptionnel. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi, tu sais, pourquoi ils parlent ça? Et en fait, apparemment, plus ça ressemble à de la viande, plus le thon, il est ouf, tu vois. C'était cool, on a bien rigolé. C'est terminé maintenant, ok? C'est terminé! On ne rigole plus une seule seconde. Bonne nuit, Poun Poun de Inyo Asano. C'est un auteur assez singulier et qui a fait l'œuvre la plus déprimante que j'ai pu lire. C'est un gamin qui fait un peu une sorte de promesse à une autre gamine, etc. Et en fait, c'est un manga qui parle de l'échec, qui parle trop bien de l'échec. C'est que plus tu le lis, plus tu dis, mais la vie, c'est de la merde. Et en même temps, il y a énormément de bonté dans le fait de développer ces personnages-là, d'aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment formidable. Et il y a un twist quand même graphique qui est assez bluffant, c'est que le personnage est dessiné, je sais pas si on le voit bien sur un joueur, s'il n'y a pas une... Non. Ça c'est le personnage principal. Point. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. À un moment il devient plus grand, mais il a la même gueule, tu vois. Inyo Asano, en plus j'ai eu la chance de le rencontrer pour faire une interview quand j'étais parti en 2019 pour faire Minori. Et il m'expliquait notamment que les auteurs de manga se mettent pas trop sur le devant de la scène. D'un commun accord avec les éditeurs, tu vois. Parce que au Japon, on évite qu'une œuvre soit teintée de la personnalité de son auteur. Tu vois, genre, je sais pas s'il y a un scandale quelconque sur un auteur de manga ou que sais-je,
les éditeurs vont être dégoûtés de faire moins de ventes, tu vois. Donc du coup, d'un commun accord, c'est genre, bah, sinon, on n'a qu'à dire que vous faites jamais d'interview, tu vois. J'ai rencontré aussi l'auteur de La Voix du Tablier. C'est un yakuza qui devient un peu père au foyer. Et du coup, comment il traite sa vie de quotidienne, qui sont juste de préparer des petits plats, des petits bento à sa meuf, bah, il le fait de version yakuza, quoi, tu vois. Si jamais on l'arnaque sur des prix, etc., dans le quartier, genre, ça rigole pas. Du coup, je l'ai rencontré, son manga est un énorme succès, donc pendant l'interview, il était masqué, tu vois. Et je lui demande un peu pourquoi finalement il se cache, parce que c'était avant le Covid donc. Et il m'expliquait effectivement que genre ça se fait pas trop de... Enfin les auteurs se mettent pas tant en avant ou ils se montrent pas. Il dit là exceptionnellement pour moi, enfin il voulait bien faire comme c'était le manga sortait en France et du coup l'éditeur trouvait ça intéressant qu'il vienne en parler. Et il m'a dit que c'était sa première interview. Je fais pourquoi? J'ai fait comment ça? Il dit bah ouais... Genre au Japon, ça se fait pas trop, quoi, tu vois. Et Inyo Asano fait partie des rares mangaka qui, lui, prend la parole sur des sujets de société, etc. Et qui se dit, non, mais fuck, arrêtez ça. Pour le coup, tu faisais des interviews en japonais, tu parles japonais? Je parle pas du tout japonais, non. Je comprends quelques mots, parce que avec les tournages que j'ai fait là-bas, etc., donc du coup, et j'ai commencé à apprendre un petit peu les caractères simples, donc je peux lire un peu des trucs, je connais des mots courants, et voilà. Et surtout dans l'audiovisuel, il y a des mots qui reviennent beaucoup, donc parfois je comprenais un peu sur les tournages, tu vois. Mais non, j'avais un interprète, bien évidemment. Est-ce qu'on terminerait pas sur... Avec plaisir. Mes œuvres de mon mangaka préféré, finalement. Et en même temps, on est bien là, hein. On est bien ici, hein. S'il y a des... Ah ouais, non, mais là, il faut pas. Bah forcément, Naruto... Ouais, la question basique, c'est Naruto ou One Piece? Je pense que je suis plus Naruto, mais comme j'ai pas terminé de lire les œuvres, tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, en fait, la fin de Naruto est moins bien que la suite de One Piece, là où je me suis arrêté, tu vois, donc... C'est vu que tu me disais que t'étais plus dans des œuvres, en tout cas quand t'étais plus jeune, un peu plus humoristique, je pensais que t'irais plus vers One Piece. Ouais, mais en vrai, sur Naruto, je me suis tapé quand même des grosses barres. Hein. Ouais, sur le début, il y a un truc assez gueulerie. Je me demande même si, en fait, Naruto n'est pas plus drôle que One Piece sur le début. Tu vois, c'est possible. Il y a quand même un truc très, très shonen dès le début, à balle, sur One Piece. Donc, en fait, même si le personnage, tous les personnages sont hauts en couleur et dingues et tout... Non, mais j'ai quand même aussi beaucoup rigolé sur One Piece. Mon auteur préféré, c'est Naoki Urasawa, qui a fait... Monster, 20th Century Boys, Pluto, Yawara, Happy, bref, c'est... Non mais il est vraiment absolument incroyable. Déjà, dans délimiter le propos et l'évolution de ses personnages, etc., c'est carré. Tu vois pas trop le truc arriver, tu vois, c'est fin, quoi, c'est quand même hyper fin. Et ça c'est fou. Et là, la thématique, bah, un petit peu comme dans Look Back, en fait, ça parle de gamins dans les années 70, qui s'imaginent des catastrophes. Et du coup, genre un grand méchant qui arrive avec une sorte de grand robot et qui casse tout, et puis il y aura une épidémie, et puis ici, et puis ça. Et bien sûr, 20, 30 ans plus tard, tout ce qu'ils ont écrit se produisent. Donc des épidémies, de trucs, une sorte de grande menace avec une sorte de robot, je sais pas quoi, bidule. Et du coup, il faut savoir qui est le gamin qui a pris ça très premier degré parmi leurs potes. Et donc ça parle énormément de l'enfance et de, en fait... quand t'es un peu abandonné du groupe, etc. Et du coup, ils se disent, mais attends, lui, il faisait partie du groupe ou non? Est-ce qu'il a pu trouver nos dessins, blablabla? Dans Monster, par exemple, c'est vraiment des enquêtes aussi. T'as ce truc de chaque indice, chaque détail. Et les personnages sont absolument incroyables, ce que j'adore. Et en fait, lui, je pense qu'il s'est un peu plus inspiré de Tezuka, qui est un peu le papa du manga, donc le créateur d'Astro Boy. Nous, c'est, je pense, la plus connue en France. Et du coup, Tezuka, comme c'est un peu les premiers mangas, bah, il s'inspirait aussi de Disney, donc c'est des grands nez, des gros trucs, tu vois, c'est un peu plus occidental, on va dire, en quelque sorte. Et Urasawa, il dessine des personnages, justement, qui sont tous différents, il dessine des gueules. Et ça, en fait, du coup, c'est assez rafraîchissant, parce que c'est con, hein, mais si je prends Fujisawa, donc l'auteur de GTO, franchement, parfois, il y a des personnages, c'est juste la couleur de cheveux qui change, tu vois ce que je veux dire. Tu te dis, ouais, tu dessines à peu près, et bah là, c'est vraiment le strict inverse. Il dessine. D'ailleurs, il dessine beaucoup d'occidentaux aussi, tu vois. C'est con, mais dans ses œuvres, ça se passe beaucoup en Allemagne ou ailleurs, dans Monster. J'ai fait aussi une interview de Naoki Urasawa. C'était en visio, en visio, parce que c'était à l'époque du voilà. Et je lui disais que lui, il est fan de musique, etc. Et on parlait justement d'intégrer la musique dans ses œuvres, etc. Et il disait qu'en fait, 20th Century Boys, c'est finalement son œuvre qui est la plus grandiose dans les événements. Mais c'est aussi l'œuvre qui parle le plus du rock. Et 20th Century Boys étant le nom d'une chanson, donc ça commence les premières pages, c'est juste la musique qui est jouée. Il prend les enceintes, tu sais, les speakers de l'école, et en fait, plutôt que de dire c'est un des gamins qui met
un tourne-disque et qui fait écouter de la musique rock à tout le collège. C'est des œuvres qui sont parfois très sombres, parce que ça va très loin, c'est très très sombre. Et là, c'est totalement, ça devient dystopique dans 20th Century Boys. Mais au final, et même plutôt, ça c'est absolument dingue, petit aparté, c'est peut-être, après 20th Century Boys, c'est vraiment mon œuvre préférée, du coup Astro Boy, traité par, donc la même histoire, enfin en tout cas les mêmes personnages, traité par Urasawa. Donc là, c'est le combo incroyable de Tezuka et de Urasawa, donc c'est formidable. C'est hyper fin, hyper intéressant, et c'est grandiose et tout. Donc les gens disent, c'est un auteur de trucs très dark, tu vois. Mais en fait, non, quand tu regardes dans tout ce qu'il a dessiné, il a fait aussi des mangas de sport, donc de judo et de tennis, et bah c'est vraiment gaulerie, et c'est, tu vois. En fait, du coup, c'est pour moi un auteur vraiment complet. Et donc, ceci est tout simplement mon manga préféré. En plus de ça, ils ont refait la réédition, qui est absolument formidable. Donc, il n'y a pas de... C'est pas d'excuse pour lire ça. Je fais des petits apartés, hein, parce que je le vois devant moi, hein, je suis obligé, hein, mais Old Boy, donc un de mes films préférés, est une adaptation d'un manga. Et du coup, j'ai lu le manga pour savoir, à quel point le film vient du manga ou non. Et la réponse, c'est que je dirais que le premier tiers vient du manga et le reste, c'est adapté. Hein, voilà. Et le film est mieux. Le film est mieux. Mais c'est vachement bien, Old Boy. Je regarde un peu s'il y a des trucs... Mon seul regret de lecteur, c'est que j'ai jamais lu de shoujo. Donc de vrais mangas qui sont adressés plutôt à un public féminin. Ouais. Mais je pense qu'en fait, je vais essayer de me faire genre Nana ou Orange, tu vois, des trucs comme ça, qui sont cultissimes. Je me rappelle, quand j'étais ado, j'ai eu un de potes, des copines qui disaient que genre Nana, c'était genre trop culte pour elles et tout, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est un peu ça que je vais me plonger dedans là bientôt. Je vous ferai un débrief. Avec grand plaisir. Mini. Bonjour, je voudrais du papier Kent et une plume, une G-plume. Mais de quoi il parle, tu vois? Il croisait le regard de mes parents qui étaient en mode, je sais pas, écoute, trouve-moi un papier épais et une plume, je sais pas, tu vois.